Meghan Markle et le prince Harry, cette somme colossale qu'ils déboursaient pour assister à un gala en leur honneur. Depuis leur départ fracassant de la famille royale et leur emménagement aux États-Unis, Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de consacrer une grande partie de leur temps à des œuvres humanitaires. Après la naissance de leur fille Lilibet Diana, le duc et la duchesse de Sussex avaient notamment fait savoir qu'ils ne voulaient pas recevoir de cadeaux, mais préféraient que leurs admirateurs fassent des dons à des associations caritatives. Pour celles et ceux qui veulent nous envoyer des cadeaux, nous vous demandons plutôt de soutenir et de vous renseigner sur ces associations pour les femmes et les filles, Girls Inc. Harvest Home, qu'en fait Emina Maïla Foundation, avait-il expliqué dans un communiqué. Très engagé, le couple a également créé sa propre fondation baptisée Archewell. Cette fondation avait même été honorée pour son action en faveur des réfugiés afghans. Le couple avait également été remercié pour sa généreuse donation à la Human First Coalition. Le 6 décembre prochain, Meghan Markle et le prince Harry seront récompensés pour leurs efforts humanitaires et philanthropiques lors d'un gala organisé par la Fondation Robert F. Kennedy. Avant eux, d'éminentes personnalités comme Joe Biden, Barack Obama ou encore Hillary Clinton avaient été distinguées. À cette occasion, les invités devront débourser une somme astronomique pour s'asseoir à la table du duc et la duchesse de Sussex. Ainsi, plusieurs forfaits tarifaires ont été mis en place pour récolter de l'argent au profit de la Fondation Robert F. Kennedy. Pour un forfait pionnier, qui permet d'obtenir 4 places à la table d'honneur, il faudra débourser la somme d'$1 million. Les autres forfaits, qui comprennent l'accès à la réception VIP, sont eux proposés à partir de $500 000. Des sommes colossales.